Et voilà cette prise exécutée par... On peut deviner les résultats. La présentation de Superstar, là ce Baby et Shaolin qu'on vient de présenter. De l'autre côté, nous avons le catcheur Suzuki et Choka. Suzuki et Choka contre Baby et Shaolin. Un match par équipe. Le match va commencer entre Suzuki et Shaolin. Et voilà cette prise exécutée par Suzuki sur Shaolin. Physiquement, c'est un combat un peu déséquilibré hein, du point de vue muscle. Mais on sait que Suzuki n'est pas un petit catcheur également. Il n'a pas démérité depuis le début de ce grand tournoi de catch. Suzuki qui est en train d'exécuter une prise sur Shaolin, mais là ils sont dans des cordes et on doit casser la prise. Coup de genou sur la poitrine de Shaolin, descente de coup de pied, deuxième coup de pied sur Shaolin, coup de pied exécuté par Suzuki. Suzuki c'est un voltigeux, hein, il faut l'admettre. Il est en train d'exécuter plusieurs prises qu'il nous sort de je ne sais où. En tout cas, il s'est bien entraîné. Se chasser de Suzuki exécuté sur Shaolin. Suzuki qui se relève avec Shaolin. Coup d'avant-bras, coup de machette bien sûr sur la poitrine de Shaolin. Shaolin qui va ramener Suzuki au centre du ring. Oh mais c'est interdit. C'est interdit de toucher là-bas. Oh là c'est sacré. Je crois que Suzuki va se rappeler d'où il est venu. Hein. Oh là c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Choka qui vient de remplacer Suzuki dans ce ring. On n'a pas vu quand est-ce que Suzuki a passé sa tag. Mais déjà, on voit Choka sur le ring. En train également de se faire caillasser par Shaolin. Et là, projection. Spear, on dirait. Ce coup de tête de la poitrine de Choka. Tag de l'autre côté de l'équipe entre Baby et Shaolin. Et voilà, là maintenant, c'est la baston qui commence. Coup de tête. Oh là là là, il faut laisser les images parler de soi-même. Le désordre est total. Baby Kitoko est maintenant seul face à Suzuki et Choka. Double tombé. 1-2. Et Baby Kitoko qui se dégage de ces deux catcheurs. Attention. La bataille est totale dans ce ring, placé au cœur du stade Kachalabonzola. Baby Kitoko qui invoque sa puissance. Et voilà, tu tapes, je te tape. C'est la règle ici. Shaolin qui vient sauver ses amis. Double tombé, l'arbitre, il faut qu'il tourne et qu'il compte là. Coup de machette sur la poitrine de Suzuki et également de Choka. La baston est totale là, la bataille est totale. Suzuki
On vient de toucher encore là où il ne faut pas toucher. À la toute sainteté. On va tenter de faire le tomber sur Suzuki. 1, 2 et 3. Et c'est Shaolin, l'équipe de Shaolin et Baby Kitoko qui vient de gagner. Voilà, Choka est encore debout et Suzuki est par terre. Il vient de rejoindre également Suzuki. Choka et Suzuki, tous deux sont par terre. Là debout, vous retrouvez Shaolin et Baby Kitoko. Apparemment, ici, la réglementation voudrait que l'on fasse le tomber sur les deux catcheurs à deux moments différents. 1, 2, 3. Et c'est le deuxième tombé. Deuxième tombé effectué cette fois-ci sur Choka. Baby Kitoko et Shaolin qui viennent débattre Suzuki et Choka. Je ne sais pas qui sont attirés de l'autre côté. Baby Kitoko qui attaque Mukumbusu et ses coéquipiers de l'autre côté. Et voilà, se répartit avec ce nouveau combat. Éléphant contre Moulé Moulé. À la droite de l'arbitre, le catcheur Éléphant d'Afrique, Zevu Amibanga, bête homme. Et à la gauche de l'arbitre, le catcheur Moulé Moulé. Moulé Moulé, c'est un ancien catcheur qui autrefois s'était reconverti en chrétien. Et à la dernière minute lors de ces grands tournois, on les revoit sur les rings. Voilà les genres de surprises qui ont toujours été au rendez-vous des grands galas des catch. Et c'est reparti, Moulé Moulé contre Éléphant. On va bien voir au départ déjà la masse, on voit que on peut deviner les résultats. On voit un combat sur le plan physique, on peut déséquilibrer. Est-ce que Moulé Moulé va faire l'affaire? Il tente de mettre Éléphant par terre. Il vient se réfugier dans ses cordes qui, telles qu'on peut le voir, ne sont pas si très solides. Va-t-il réussir à soulever Éléphant? Ou soit il tente l'impossible. Coup d'avant-bras. Moulé Moulé qui veut fuir le ring. Oh non. Tout doit s'arranger sur le ring. Ne fuis pas. Tu es un homme, garçon, vas-y. Montre de quoi tu es capable. Donne tout ce que tu as dans cette culotte, s'il faut le dire comme ça. Allez, balance-nous tout. Moulé Moulé qui est accroché au bras du bête homme, Éléphant d'Afrique. Oh, Éléphant qui a réussi à tourner. On sait qu'Éléphant n'est pas un bon technicien, même si c'est un beau combattant, mais du point de vue technique. Coup d'avant-bras sur la poitrine d'Éléphant. Et un autre coup sur Moulé Moulé. Il a résisté, mais au bout de compte, c'est la loi du plus fort qui a toujours la meilleure. Éléphant qui s'est imposé. Moulé Moulé était par terre. Il est trop agité là, Moulé Moulé. Il est trop agité. Allez, maîtrise-toi. Aide-nous. Donne-nous ce que tu as dans la culotte. Ah, il faut admettre que Moulé Moulé est courageux, hein. Très courageux d'accepter d'affronter Éléphant. Ce sont ce genre de leçons que les gens devront aussi retenir. Il ne faut pas avoir peur des obstacles. Même si on voit son échec d'avance, il faut toujours tenter d'affronter. Il faut toujours tenter d'affronter. C'est ça la leçon que Moulé Moulé nous donne. Il voit sa mort prochaine. Moulé Moulé qui voit sa mort prochaine. Il voit sa mort arriver. Moulé Moulé qui demande le secours. Et les fois qui se comporte un peu en chaimos, hein, avec des coups sur la poitrine. Là, je crois que Moulé Moulé voit sa mort prochaine. Il doit faire venir ses acolytes.
Et voilà. Je sais pas, c'est quelle arme ça que Moulé Moulé a eu à prendre. Voilà, Moulé Moulé qui a réussi à hypnotiser l'éléphant. On va le ramener par terre. Moulé Moulé qui tente de ramener l'éléphant par terre. Moulé Moulé qui invoque. Ah voilà, c'était le balai. Voilà, c'était le balai. Éléphant qui est en train de balayer sous ordre de Moulé Moulé, sous la satisfaction de Moulé Moulé. Alors éléphant qui est revenu en lui-même et qui dit non, ça c'était pas moi. Moulé Moulé, attention, il résiste. Coup de tête. Éléphant qui est là, un coup, résistance, coup de boule sur éléphant. Mais en tout cas, c'est comme une goutte d'eau potable dans toute une rivière sale, hein. Ça ne fait rien, c'est cette coup de boule. C'est coup de boule, allais-je dire. Moulé Moulé qui est par terre en ce moment. Et l'éléphant qui va devoir remettre ce balai. Moulé Moulé est en train de se tordre des douleurs sur ce ring plaqué au cœur du stade Kachala Bonzola. Ambouji Maïwa Balengi Labakushita Diminou. Moulé Moulé qui est en train de faire l'affaire là. Il est en train de prouver aussi de quoi il est capable. C'est vrai qu'on s'attend à les voir perdre, mais jusque-là il tient quand même le coup. L'arbitre qui demande à Moulé Moulé s'il abandonne ou s'il continue. Et éléphant avec cette prise qui est en train de casser la respiration de Moulé Moulé. Moulé Moulé qui appelle l'oxygène, qui demande de l'air car on a bloqué sa respiration. Il n'arrive pas à respirer. Ouais, Moulé Moulé n'arrive pas à respirer. Cette prise de Samoa Joe. Cette prise utilisée par les Samoans, Samoa Joe, le catcheur américain. Et Moulé Moulé là, qui doit faire appel à ses ancêtres pour se dégager. Ouais, si physiquement c'est impossible, spirituellement c'est encore possible, Moulé Moulé. Allez, vas-y, vas-y garçon, vas-y. Allez, relève-toi, donne ce que tu as dans la culotte. Moulé Moulé qui est debout. Éléphant qui n'en revient pas. Il dit, mais c'est quoi ça, ce petit garçon? Ah, il faut l'admettre que Moulé Moulé n'est pas un petit garçon, hein. C'est un grand monsieur. Il a longtemps combattu. Il vient d'hypnotiser éléphant. Il demande à éléphant de danser. Il oblige à éléphant de danser. Est-ce que éléphant va danser? Oui, quelque part déjà ça commence à venir. Eh oui, eh oui. Éléphant en tout cas. Et c'est le défilé de mode. Défilé de mode. Ici. Da da da, Moulé Moulé. On demande et il est de retour éléphant qui veut envoyer Moulé Moulé à la croix. Oui, à la croix. À la croix. On envoie Moulé Moulé à la croix, mais il a réussi à résister. Et c'est la danse. Moulé, Landaye, Moulé 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 Moulé. Éléphant qui résiste. Éléphant qui résiste à la croix de Golgotha. Eh oui, cette croix qui nous rappelle la légende du catch congolais, Postolo Baba Aka. Moulé Moulé qui descend tout bonnement et se dirige vers la croix. Vers la croix. Vers la croix. Éléphant qui envoie Moulé Moulé. Eh oui, et il part en toute vitesse. En toute vitesse, il part embrasser la croix. Et voilà. Là, je ne suis pas sûr qu'il va se dégager. En tout cas, il est très bien cloué. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin 10. Bête homme. L'éléphant d'Afrique, Zevua Mibanga, qui a gagné Moulé Moulé en utilisant cette prise de finition
cette technique de poste de Baba Aka. Qui s'est levé là? Et là, Edingwe est en train déjà de s'apprêter, puisqu'elle a un match handicap aussi. Éléphant qui appelle d'autres catcheurs pour les envoyer à la croix. Il appelle d'autres catcheurs pour les envoyer à la croix. Voilà, on voit là tous ces catcheurs qui sont en train de se rendre à la croix de Golgotha. Cette croix qui nous rappelle Postolo Baba Aka. On voit là le catcheur Éléphant qui les envoie avec la complicité de Tigre Kabedjouani. Ils sont en train de comploter pour envoyer tous ces catcheurs à la croix. Ils sont en train de partir. Il y a deux catcheurs qui sont restés là, ils ne sont pas partis. Et ils sont en train de causer. C'est toute une liste de catcheurs à la croix de Kolkata. La croix qui nous rappelle Postolo Baba Aka Aka, d'heureuse mémoire, l'ancien champion du Kasaï Oriental. En tout cas, je crois qu'Éléphant va maintenant quitter le ring, puisqu'on s'attend à voir un autre grand combat. Et Dingwe Motonangenge qui va affronter Chilamatu et Mwanzambala. On se demande si Éléphant va les libérer ou il va les abandonner pour qu'ils puissent subir la douleur de la croix. Puisqu'à cette croix, en tout cas, on peut vous rassurer qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a que de la douleur. Jésus lui-même l'avait témoigné. Jésus pleura et je crois que ces catcheurs ont également pleuré. Et oui, il est debout. Le champion du Congo. Le champion incontestable. Incontestablement incontesté. Et Dingwe Motonangenge. Dit Yaedi. Champion depuis 82 jusqu'à présent. Invaincu en République démocratique du Congo. En tout cas, en ce qui concerne son titre, jusque-là, personne n'a réussi à rafler le titre des mains de Edingwe Motonangenge. Et en tout cas, il compte remettre ce titre entre les mains de la Fédération de catch du Congo, puisque personne n'a réussi à battre Edingwe Motonangenge. Et là, il est en train de s'entretenir avec ses acolytes. On voit là devant lui le catcheur Hosanna et Viper qui sont en train de s'entretenir avec Yaedi, comme les Quinois aiment l'appeler. Et là, c'est la présentation des catcheurs. Là, c'est lui qui a levé la main. C'est Edingwe Motonangenge, il y a Eddy comme les Quinois aiment l'appeler. Il va affronter deux catcheurs, c'est-à-dire que c'est un match handicap. Il affronte Chilamatu ainsi que Kamaz ou Mwanza comme on l'appelle effectivement. Mwanza qui va débuter ce combat, il va tenter d'affronter la montagne d'Edingwe. Oui, en tout cas là, et là Kindokyozo Banda Mbujimai, il y a Eddy l'a promis. Il a dit au catcheur de Mbujimai, Boluki Makambo, Bokosi Lisango. En tout cas, ce n'est pas des danses, nous rappelle les années 80. Ce n'est pas des danses, nous rappelle les années 90. Eh oui. Il va tenter de briser ses bras. Oh là 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 là. Oh là là, là c'est l'ambiance. C'est pas des danses, nous rappelle le grand moment. Et il lui dit, tu n'es qu'un gamin, petit. Tu n'es qu'un gamin. L'ambiance est totale ici au stade Kachala Bonzola. Mwanza qui tente d'affronter la montagne des Dingwe. Il va tenter de tordre ce bras des Dingwe Motonangenge. Est-ce que Mwanza va y parvenir? Puisque Yaedi l'a promis. Il a dit, c'est le début de la sorcellerie maintenant. Cette quatrième journée,
Vous allez vivre ce que vous n'aviez pas vécu depuis les trois autres journées. Là, Mwanza qui est en train d'étrangler Edingwe, plaqué au centre du ring. Quelques coups d'avant-bras sur Edingwe. Et là, Chulamatu va tenter de rentrer puisque Mwanza est sorti. Il n'a pas su tenir le coup. C'est vrai, il a fait quelque chose, mais ce n'est pas assez suffisant. Et maintenant, tout qui affronte Yaedi, il essaie de le ramener sur le plan spirituel. Yaedi qui est en train de céder à la manipulation spirituelle de Chulamatu. Oh oui, il est par terre. Chulamatu qui a réussi à mettre Edingwe par terre. Edingwe se doit en l'air dit trop de choses. Bon nombre de fois que Edingwe a levé ses doigts en l'air. En tout cas, ça n'a pas dû bien finir pour ses adversaires. Je vois très mal Edingwe perdre ce grand combat, même si c'est un match handicap. Edingwe qui est hypnotisé. Mais on sait qu'en matière d'hypnotisation, Edingwe en est le leader ici en République démocratique du Congo. Chulamatu qui est en train de mettre Edingwe dehors, il est en train de l'envoyer à l'extérieur. Je ne sais pas s'il veut l'envoyer à la croix ou il veut faire quoi exactement. L'extérieur est protégé par les acolytes d'Edingwe. On retrouve la Vipère, on retrouve également Dingisi et même Hosanna, tous trois de Kinshasa. Et de l'autre côté, il y a Madame Edingwe qui est en train de regarder ces grands combats. Et les fans qui commencent à appeler Edingwe. Oui, en complicité avec Chulamatu. Chulamatu qui envoie Edingwe. Et Edingwe qui est en train d'être tiré par éléphant à l'extérieur. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce que Edingwe va sortir? Est-ce que Edingwe va sortir? Chulamatu qui fait de tout son mieux, qui élève de toute sa force pour envoyer Edingwe à l'extérieur. Et oui, Edingwe qui trouve que quelque chose ne va pas à l'extérieur. Oui, les acolytes d'Edingwe disent que quelque chose ne va pas. Il y a là Ingisi, Vipère et Hosanna. Vipère est encore debout, tous trois sont en train de tenter de maîtriser l'extérieur. Là, la bataille est totale à l'extérieur du ring. La bataille est totale. Trois contre tous. Est-ce qu'ils vont partir à la croix? Trois contre tous. Hosanna, Ingisi et Vipère qui sont en train d'affronter tous les camps de Mbujimaï. Ces deux chaises, je ne sais pas ce que ça vient faire dans le ring. Hosanna qui a ramené une chaise. Deux chaises dans le ring. Une chaise déjà plaquée au centre qu'on est en train de faire monter. Oui, et oui, ces deux chaises vont justement annoncer quelque chose que vous allez découvrir au même moment que nous, fidèles téléspectateurs. Et oui, il appelle ses ancêtres. Edingwe dit, allez, dépêchez-vous, venez à mon secours. Ne m'abandonnez pas, chers ancêtres. Il va plaquer Chulamatu dans cette chaise. Ah oui, vous n'avez pas oublié qu'il avait deux adversaires. La deuxième chaise est pour Mwanza. Et il se met tout bonnement, sans même contester. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va leur faire? Apparemment, ils parlent avec leurs esprits. Qu'est-ce que Edingwe va faire? Wow! Oh là 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 là! Attention! C'est l'arme! Il va tirer! La chaise a pris feu! Il va tirer! Et encore!
Celle-ci va aussi prendre feu. La chaise est en train de fumer. Eh oui, il y a de la fumée dans ce ring. Il y a la fumée dans ce ring. Il y a la fumée dans ce ring. Elle est tombée. 1, 2. Victoire incontestable. Victoire méritée. Et victoire à sa taille. Mais attention avec la pelouse synthétique. Cette pelouse nous a coûté trop cher ici en Bougimaï. Si elle prend feu, ça ne sera pas une bonne chose. On doit protéger la pelouse du stade Clash à la Bonzola. Ces chaises qui ont pris feu ont été ramenées sur la pelouse. Et on craint le fait que la pelouse puisse prendre feu. En tout cas, ce ne sera pas bien que la pelouse puisse se consumer. Elle a coûté une fortune à la province du Kasaï oriental. Qui est en train de quitter le ring en ce moment précis. Et Dingwe qui est en train de descendre pour quitter le ring. Voilà, la rivalité va continuer entre Edingwe et Elephant. Edingwe est en train de partir alors qu'Elephant est en train de l'appeler. Va-t-il laisser tomber Va-t-il laisser tomber ce défi? Qu'est-ce qu'il va réellement faire?